Ma Mission TV, le miroir du monde. Ay,
conseil que vous voyez, si vous battez, le pont la parole, après ta. Merci infiniment à son excellence le service. Merci également à tous ceux qui ont réussi de la présence dans cette cérémonie. Il s'agissait bien et bien de la présentation officielle. Par ordonnance numéro 21, bar 012, du 12 avril 2021, portant nomination du gouvernement de l'Union sacrée de la République, il a plu au président de la République, chef de l'État, dénommé Son Excellence Monsieur Asselo Okito Wakoi Daniel, ici présent sur le podium, sur l'estrade, vice-ministre, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Et par la même ordonnance, Son Excellence Monsieur Moripe Mandongo Jean-Claude, ici à ma droite, vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Nous, membres de la Police nationale congolaise, commissaire divisionnaire, commissaire supérieur, commissaire, sous-commissaire, brigadiers et agents de police, nous leur obéirons
pour tout ce qu'ils nous commanderont, pour les biens des services, l'intérêt suprême de la nation et le respect des lois de la République démocratique du Congo. Na kolobangoma mkena ringala. Na ordonnance numéro 21/012, il y a le 12 avril 2021, Tata Mokonzi wa Ekolo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, dans le cadre du gouvernement, Oba Bengi a Union sacrée de la République, Anomaki, son Excellence, M. Asselo Okito Wankoy Daniel, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Dans la même ordonnance, Anomaki Mokitani Naye, ton vice-ministre Naye. Il y a intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, son Excellence, Moulipe Mandonga Jean-Claude, Bongo Bisso, la police nationale congolaise, la généraux, le commissaire divisionnaire, la commissaire supérieure, ba commissaire, ba sous-commissaire, ba brigadier, pe ba agent de police, biso banso tokoto sabango, na maemansu ba kosenge biso, pour na bolamu ya musala, pour intérêt ya ekolo, pe pour na respect ya loi ya ekolo, République démocratique du Congo. Na kanisi biso nyoso, Bolandi yango nege to telemi awa, pe ba ebanso bazali na 26 provinces, 26 commissariats provinciaux, ya police nationale congolaise. Merci mingi. Monsieur Gardabou. Monsieur Gardabou. Faites porter les armes. Au centre. Porter. Armes. Musique au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Musique au vice-premier ministre. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Coutumière. Cette musique que vous venez d'écouter, c'est le son que partout où on vendra les honneurs complets, on vous jouera cette musique pour votre honneur, à votre qualité de vice-premier ministre et ministre des titres de la police nationale congolaise. À mon pied repos. Maintenant, vous avez la parole de la police. Honorable
députés et sénateurs, que je m'imagine nombreux derrière moi, messieurs les membres du gouvernement central, messieurs les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité, messieurs le vice-ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, messieurs le chef d'État-major général de FARDC, monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, messieurs le chef de la maison militaire du président de la République, messieurs l'inspecteur général de la police nationale congolaise, messieurs le chef de la composante police MONUSCO, messieurs les directeurs généraux tous ici présents, messieurs les officiers généraux de FARDC et de la police nationale congolaise, messieurs les gouverneurs de la ville de Kinshasa, madame le bourgmestre de la commune de Lingwala, messieurs les officiers supérieurs subalternes de FARDC, de la police nationale congolaise et de la MONUSCO, mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités, tout protocole observé. C'est pour moi l'occasion, en me retrouvant devant la police nationale congolaise, représentée par la garnison de la ville de Kinshasa, d'adresser au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise mes hommages les plus déférents et toute ma loyauté envers son auguste personne pour avoir daigné me confier les rênes de ce grand ministère de souveraineté qui compte parmi les services publics en son sein la police nationale congolaise. À cette occasion, je dois requérir de vous tous une discipline sans faille qui constitue le fer de lance de toute police à travers l'humanité. Point le besoin de rappeler les missions régaliennes de ce corps d'élite telles que reprises dans les articles 15 à 21 de la loi organique numéro 11/013 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise, dont l'essentiel consiste en la sécurisation des personnes et de leurs biens. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la police nationale réformée est un service public accessible à l'écoute de la population et chargé de la sécurité et de la tranquillité publique, de la sécurité des personnes et de leurs biens, du maintien et du rétablissement de l'ordre public, ainsi que de la protection rapprochée des hautes autorités. Dans ce sens, tout écart en matière de respect des droits de l'homme ne peut être toléré ou encouragé. D'ores et déjà, un défi est lancé. En effet, l'état de siège décrété dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu est pour vous une opportunité pour démontrer votre savoir-faire à côté de vos frères des forces armées de la République démocratique du Congo que vous devez efficacement appuyer en occupant en toute responsabilité, avec professionnalisme et dans le respect des droits dus aux citoyens, les espaces libérés par eux dans ces provinces. Votre savoir-faire conduira indéniablement les populations ainsi sécurisées à vous apporter tout leur soutien et appui. Par ailleurs, il est impérieux que le phénomène Kuluna ainsi que toute forme de banditisme urbain soit définitivement éradiquée dans la ville de Kinshasa ainsi que dans d'autres grandes villes du pays où ils sévissent encore. À ce propos,
tout en appelant au respect des droits humains. J'apporte tout mon soutien aux opérations en cours visant la récupération des Kuluna pour leur formation aux divers métiers pour qu'ils soient utiles à la nation. De même, le phénomène des embouteillages mêlés aux tracasseries policières dont souffre énormément la population au quotidien doivent être endigués. Les autorités chargées de cette question doivent, sous peine des sanctions, tout mettre en œuvre pour faire face à ces phénomènes inquiétants, principalement à Kinshasa et à Lubumbashi. Mesdames et messieurs, cadres et agents de la police nationale congolaise, je me dois de vous rappeler ou de vous rassurer qu'au vu du rapport qui m'a été dressé par Monsieur le Commissaire général de la police nationale congolaise, je ferai de mon mieux, en ma qualité de membre du gouvernement de l'Union sacrée, pour que la formation de base et la formation spécifique des policiers se déroule de manière continue. Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême de FARDC et de la police nationale congolaise, est bien au courant de l'état des lieux de la police nationale et des difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Sous son leadership et avec l'engagement de son Excellence Monsieur le Premier ministre, Jean-Michel Samalokonde, vous pouvez compter sur ma modeste personne pour répondre à vos défis. Vous pourriez également compter sur mon ministère pour l'obtention de matériel nécessaire en vue de l'exécution de vos missions, afin d'hisser la police nationale congolaise au standard d'une police véritablement professionnelle. Mesdames et messieurs, il n'est pas inutile de vous rappeler que le commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise compte énormément sur ces deux piliers, ces deux corps d'élite que vous constituez. En effet, préserver l'intégrité du territoire national d'une part, maintenir l'ordre public et assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, d'autre part, sont des rôles qui garantissent la paix et la vie d'une nation qui aspire au développement et au bien-être communautaire. Voilà pourquoi je vous exhorte à remplir loyalement les missions qui sont les vôtres pour le bien-être de la République démocratique du Congo, notre pays. Pour y parvenir, nous sommes appelés à mettre en application les réformes de la police, lesquelles sont à ce jour plus qu'une nécessité. Le programme de la dite réforme quinquennale se focalisera sur les points ci-après. La formation continue des policiers qui inclut une retraite honorable aux plus âgés et le recrutement des jeunes hommes et femmes intègres et de bonne moralité. Les infrastructures et équipements modernes, tout en réactivant les centres de coordination des opérations, en vue de faciliter l'échange des informations et des opérations entre les services de sécurité. L'amélioration de la gestion des ressources humaines, matérielles et financières, pour faire face aux problèmes des fictifs en améliorant notre base de données afin de combattre ainsi toute espèce de fraude aux conséquences négatives. La mise en œuvre d'une police de proximité afin de diminuer sensiblement les réactions acerbes de la population à son endroit. L'amélioration de la vie sociale
des policiers. Enfin, tous ensemble, comme un seul homme, derrière son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, bâtissant un grand pays au centre de l'Afrique pour le bonheur des générations présentes et futures. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la police nationale congolaise. Je vous remercie. Voilà, téléspectateurs, le discours du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires premières. Commissaire général, Awuta Kikusala, à l'obin à l'opoto, pena moukousse, à l'obéli police nabiso, moi li l'obamoko. Ngaipe, na kanisi ete, na kouki koupe sa message mouke na police nabiso na lingala. Police nationale congolaise. Tozali na ekolo ya monene. Ekolo nyonso ezalaka na lolenge na yango ya kotambola. Kasi ezali na ba service oyo soki na mokili tozali na bikolo songolo eza lokola la police nationale esika nyonso okoki kokende okokuta yango ezosala musala nini musala ya liboso ezali nde ya kobatela bana mboka na biloko na bango. Bana mboka elobi te kaka congolais oyo citoyen du monde nyonso ako se retrouve legalement na mboka na biso azali na droit ya kozala protégé na police nationale na biso. Yango wana police nationale esengeli discipline ezala. Tobino moko boyebi ndenge bokomaka na bakan militaire na bakan ya ba police na biso ndenge bozali pona eloko etali discipline. Bozi yango bozo koma liboso ya bantre ya bakan. Bozo lakisa na mokili ete. Po bino botambo la malam. Discipline esengeli ezala na katikati na bino. Po soki discipline ezali te. Ezali pasi mingi. Pour que bino boko kako ezala utile na communauté. Et puis, communauté pe akoka kosepela na bino. Bota la biloko oyo bino bosimbaka na maboko. Na minduki. Na mabaya. Na banzete na lingi koloba. Siko oso ki discipline ezate. Toko suka wapi. Yango wana discipline. Na katikati na bino ezali eloko ya mutuya. Lelo tozali ko vivre situation moko particulière na est na biso. Na province ya Ituri na Nord Kivu. Mokonzi ya mboka Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
commandant suprême des forces armées et la police nationale congolaise. Atali. Alobi Likambo et Zako Lekal. Na parti na bifo moko ya mbo katowiko kusili sa angonde ngenini. Poto moni loko la tozo suka. Or tozo limbo kamunene tokuiko suka. Liboso ya mwa makambo ya ndengo anate. Il a décidé. Si Mayaye ko consulte premier ministre na ba président ya ba deux chambres ya parlement. Après conseil des ministres. À l'Obi, état de siège, il faut qu'Ende, na Ituri, na Nord-Kiv. Kasi boyebi, banani, il faut babundakuna. C'est notre armée. Et Sengeli Bazala, et Sika Moko, mais chacun faisant son travail. Pour l'intérêt, Yamboka. Yango, nawe etali chapitre wana, commissaire général de la police nationale congolaise. Oyo a participé à qui na ba réunion nyos. Oyo e salama kapo na makamboya est ya pays et salem. Na badjwa na ye. Bakoko kako sala nyos pour que comportement na biso, comportement ya police nationale congolaise ezala exemplaire na situation tozana ango sikolo. Pona kosukis. Bande konangai, tango na zali nomé vice-premier ministre. Na kede ki liboso kufanda na IPN. Nga moko na miyo keli soni. Je ne peux pas le cacher. Otango nyoso na zo bima na isika na bande kufanda. Cortège na ngayi. Soki kaka na bimi na ba 10 heures. Cortège na ngayi. Il faut bouger battre. Il faut gêner battre. Pour qu'on gagne les cas. Nazana Sonia Kolobangote. Parce qu'il faut qu'il y ait des solutions à ça. Ce sont les embouteillages. Bambouteillage. Oyo Ezali na Kinshasa. Ezo koka kosi la terre. Oko kanisa toza na ba service wanate. Oko kanisa toza na ba personne chargée na likamwana te. Donc enoko songolo eleki biso batu mayele mateli biso. Mais na sape kiye yako constater que tango na za wana lokola batu bayebi ke na za civil. Batouyok Moutazoya, chef, vous voyez ici, il faut faire ceci. Chef, awa, nga nazana elema boy. Chef, mais, eloba moutumoko nenga ebsekinga lobi, mais, tout na kape bango. Moutouyok Moutazoya, vous voyez ici, il faut faire ceci, mais tout na kape bango. Mais pourquoi ça n'évolue pas? Bino boye di, moutouyok Moutazoya na papier. Ici c'est comme ça, ici c'est comme ça, ici c'est comme ça. Donc, ils attaquent les policiers, ils attaquent les officiers, même des civils. Sur la question, il y a l'embouteillage. Nous tournons sur les autres, à ceux qui sont ayébi. Mais posons-lui la question de savoir pourquoi ça ne marche pas. Vous êtes là des dizaines d'années. Pourquoi embouteillage et Mateli Bisso et l'équipe Bisso Mayele en concertation avec monsieur le commissaire général. Na batu oyo baza ko gérer service wana Kinshasa, Lubumbashi, surtout ces deux villes ici. Sauf que changement est atteint,
nous allons nous rendre qu'il y a des gens incapables de travailler et tirer la conséquence. Pour ceux qui m'appellent sur Moussa là, ils ont copé sa résultat. Ils ont un prétexte. C'est pas normal. Alors à un moment donné, il faut savoir se retirer. Pourquoi embouteillage et l'équipe Bisso et l'équipe Bisso Maël? Naba Kozia police, pour étudier situation en an. Naba Toyo, Bazo Mona, Bazana, ba technique, et Makasi, Makasi, Makasi. Ce qui n'a zolo bandengo, en a bandeko. Les alika kapo bisounio surtout à la conscience que ensemble toko kanazo kane la moutoute ensemble il faut tout trouver solution parce que tout monaka est à la civile est à la militaire est à la policier ce qui est na yo ya kozonga ndako ezali au bandi kolenga parce que l'ébité er nini. Oyebinde rozo longwa na biro, me ero kokoma na ndaku na yo, oyebi angote. Oro, biso nde batu, likambo, eko kiko leka biso makasite de dizene dane. Eko kiko bota malelo, me biso to bandiko lukila yango solution. Je disais que je termine, na yo kaki ba reaction e dene. Na situation o etali bakuluna. Lelo ba panzani mboka mobimba, izate kaka na Kinshasa. Ba kuluna, ce phénomène là. Et comme il biso partout na mboka na biso. Yango pe, esengeli to zwe la yango solution. Mais tango ba konzi ya Kinshasa, ba s'imagine ke ba koki kozwa bana na biso wana. Ba isole bango, Oba koka kokende koza la forme na ba metier sorolo. Oba zonge la biso baza la utile na mboka. Na yo ki ba réaction ya bandeko ya droit de l'homme. Bon mais, très bien, si vous pensez qu'on déplace quelqu'un pour ba kende konforme ye, ne si ka sorolo, oye ye bani, vous prétendez que les amis violation à droit de l'homme. Mais que dites-vous des victimes? Victimes de tous les jours et partout. Yabatouana, alors que ba victime na bango, bazo kisaka bango, teme bango, bazo zo kisa ba victime na bango. Bango bazo boma ba victime na bango. Eza la bana wana, eza la biso ba moussous tozali kaka batre. Makila mon côté et le qui oh ya moninga ezaka ka makila. Mais ici, les autorités de la ville, plus particulièrement à Kinshasa, balobi kaka, to kenena bango, to forme bango. Tango mwana kozonga lobi. Alors que lobi abande ko tambo la zo salabo, la zo salabo, la zo yi baza ko. Kokota kana banda ku ya bato azo tele misa bato na nzela azongi akomo la kisayo papa na ye na mama na yo na ye kete lelo hein nazali capable ya kufanda nesika songolo na ukakosala mwa musala boye epesa kanga 2000 francs par jour au lieu que na kende ko tele misa mutu na bamba ye mbeli pona récupérer. Tant que monsieur Soukaka 2000 francs en gros na poche naïe. Yango ana na lobi. Kengaye na zako apporté. Ezate keba. Tosa la bango ma be na ou yanzoto na bango. Nenga na zako apporté soutien na ngaye. Na opération wana. Parce que Kinshasa est mérité comportement yabana wana te. Monsieur le commissaire général. Police nationale congolaise, Nangai Moko, na vice Nangai, Azako accompagné Ngai,
na pesibino merci ming dans l'espoir que ndenge bouti koloba awa bokomiti ana disponibilité na biso pona batache oyeza ko relever na bino pona bulamu ya musala na bino pe pona esengo ya mboka na biso. Merci beaucoup. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, des Centres et des Affaires Coutumières se réinstalle. Sa communication était brève. Il l'a faite en français, ensuite en lingala, pour une meilleure compréhension pour les éléments de la police nationale congolaise. Et il a mis l'accent particulier sur la discipline qui doit caractériser les éléments de la police nationale congolaise dès leur mission régalienne. Il a également rappelé qu'il apporte son soutien total de Kolona qui sont arrêtés et envoyés au KCC pour participer à l'agriculture et en même temps Ma Mission TV, le miroir du monde.